En 2008, la série télévisée Les Lavigueurs est sacrée meilleure mini-série canadienne, même si le Canada comprend pas le français. On prend un 649. C'est en 2008 que la vidéo de George W. Bush, qui se fait pitcher un soulier par un journaliste irakien, fait le tour du monde. Lui, ses souliers ont beaucoup voyagé. Barack Obama est élu président des États-Unis et on pense que le pays est sur la bonne voie. LOL! Stephen Harper est le premier ministre canadien à s'excuser auprès des Autochtones pour les pensionnats. Malheureusement, Justin Trudeau nous donnera l'impression que ça vaut pas grand-chose en s'excusant lui-même 347 fois par la suite. En 2008, une émeute éclate au centre-ville de Montréal suite à une victoire du Canadien. La rue Sainte-Catherine devient inaccessible, mais personne ne voit la différence. Surtout, en 2008, Urbania publie son magazine le plus vendu de l'histoire. C'est l'édition hockey mettant en vedette Ron Fournier et une Puck Bunny.